Est-ce que le virus vous fait peur et pourquoi ? J'ai peur que ça s'améliore pas en fait. On dit toujours reprendre une vie normale, mais est-ce qu'à un moment donné on pourra reprendre une vie normale ? J'ai peur que ça n'arrive pas tout de suite. J'espère que ça va arriver, mais c'est surtout ça qui me fait peur, le fait de ne pas pouvoir reprendre une vie normale. Non, il ne me fait pas peur, car en ce moment, il est très loin de moi. Au début, il me faisait peur parce qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Maintenant, il ne me fait plus trop peur. Il ne me fait pas peur personnellement, parce que j'ai eu le Covid. Mais c'est plus pour les personnes âgées, les personnes vulnérables. Moi, personnellement, il ne me fait pas peur. Et j'ai plus peur pour mes grands-parents et mes parents qui puissent tomber malades et en mourir. Moi, je suis jeune, je suis en bonne santé. Moi, je dirais que le virus ne me fait pas plus peur que ça, mais j'ai plus peur pour mes proches, pour ma grand-mère. Pour... Après, de là, dire qu'il ne me fait pas peur totalement, non, parce qu'on a déjà eu des personnes jeunes en pleine santé qui ont eu des formes graves du Covid. Et en plus, on a les mutations qui commencent à arriver. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Je ne suis pas totalement traumatisé par la situation, mais je fais attention. Alors, il m'a fait peur au début parce que c'était un petit peu inconnu. Maintenant, j'ai plus peur. Il me fait peur. J'ai déjà été contaminé du Covid il y a 2 mois. C'est quand même assez éprouvant pour tout ce qui est symptômes. J'en ai encore en ce moment, comme la perte du goût et de l'odorat. Il me fait peur aussi pour mes grands-parents qui risquent de mourir si nous ne les protégeons pas assez. Non, parce que pour moi c'est un virus comme on a la grippe, la gastro, de toute façon il va falloir vivre avec. Hein. Donc non, j'ai pas peur. Il ne me fait pas spécialement peur parce que moi je crois à la médecine, je suis sûr qu'on va vaincre ce virus. Ça va prendre du temps, certes, malheureusement ça touche essentiellement des personnes âgées. Mais moi je crois à la médecine, donc à un moment donné on s'en sortira. Comment imaginez-vous l'avenir ? Avec des masques et puis comme toute maladie, hein, on s'adaptera, on n'a pas le choix. Pas trop bien, parce qu'on a eu nous. Je pense qu'on va avoir un avenir différent, même si ça va s'arranger dans le temps. Mais je crois qu'ils mesurent, les distanciations physiques seront toujours de vigueur encore quelques temps. L'avenir, on va vivre différemment, c'est vrai. On va faire plus attention, je pense, hein, au niveau hygiène. On fera peut-être moins de bisous à ses copains, ses copines. Hein, voilà. Et moi, je crois fortement à l'avenir des jeunes. Hein, y a beaucoup à faire et on va repartir de plus belle. Voilà. Avec des nouvelles convictions, des nouveaux projets. Mais je suis convaincu qu'on va s'en sortir. Pour le moment, j'ai du mal à l'imaginer à court terme, à long terme, retrouver une vie normale. Si le vaccin est vraiment efficace, cela nous prévoit un avenir plutôt correct. Mais si ça ne s'avoue pas efficace contre les nouveaux variants, cela est plutôt pessimiste pour notre avenir. Je l'imagine qu'il y aura un vaccin qui va tous nous sauver. Il n'y aura plus le corona, il y aura enfin un médicament, un vaccin qui nous protégera. Que ce soit à cause du Covid ou à cause d'autres choses, je n'imagine pas forcément un avenir radieux. Je pense que ce sera un peu comme avant, sans couvre-feu, sans le masque. J'espère rester un petit peu optimiste. Et penser que l'humain en général va prendre conscience de l'enjeu de notre siècle et l'enjeu sanitaire, l'enjeu écologique, investir bien plus dans la technologie pour nous permettre à tous de vivre correctement. Et je pense aussi qu'il faut modifier notre façon de vivre à l'avenir. J'espère que ça va vite s'arrêter tout ça, qu'on va vite retourner s'amuser, qu'on va vite retourner au cinéma, qu'on va vite retourner au restaurant, qu'on va vite pouvoir se redonner la main. Et se faire des bisous. Merveilleux. On va s'en sortir, on aura bientôt plus les masques et on va retourner au restaurant et faire la fête. En tout cas, j'espère que ça ira mieux. Qu'on aura plus ces masques tout pourris.